Samas style Ron Rodom Sahamuni ko du voyage au Cambodge a takrifé à l'aéroport international de Phnom Penh le 18 novembre 2023 par un voyage spécial applicable à effectuer une visite officielle du ministère du 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 avec novembre Angkor Selon le communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, rendu public le 17 novembre, sur le compte rendu de la récente participation de Sa Majesté le Roi Norodom Seharmonie à la quatrième conférence intergouvernementale sur encore à Paris, en France, lors de l'audience accordée à l'automne au 3 directrice générale de l'UNESCO, au préalable de la conférence, Sa Majesté le Roi a exprimé sa profonde gratitude à l'UNESCO pour l'étroite coopération dans le passé en soulignant l'impact rôle au Cambodge et le succès du mécanisme intergouvernemental sur la sauvegarde du site d'Angkor, CIC Angkor, ក្រៃអេអំពីនសង្កាត់វាំងថ្ខៃជស្វិតអាលីនសាទីវអេអាឡាប៉ៃឡូឌីហ្វឺសាម៉ាជស្ទេព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសិហានុះព្រះបរមរតនកោដ Sa Majesté le Roi a mis en exergue les principaux points de la politique du gouvernement royal du Cambodge, accès sur l'éducation et le développement des ressources humaines, en particulier aux métiers ancestraux, la lutte contre le trafic d'objets antiques, le travail préparatoire en vue de l'enregistrement futur du patrimoine matériel et immatériel cambodgien, la mise en place d'un cadre juridique visant à préserver la valeur d'un et la lutte contre le changement climatique. En réponse, le comité Audrey Azoulay a incréé toutes les requêtes soulevées par Sa Majesté le Roi et s'est engagé à renforcer davantage la coopération dans divers domaines qui relèvent de la compétence et des obligations de l'UNESCO pour promouvoir les valeurs du patrimoine de l'humanité, de protéger les communautés locales, de maintenir l'équilibre des fruits touristiques grâce à une gestion rigoureuse ainsi que de préserver les valeurs sacrées des temples d'Angkor et d'autres sites patrimoniaux. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e conférence intergouvernementale sur Angkor dans son allocution, Sa Majesté le Roi a rappelé les efforts de Subadityo Hun Sen, qui a œuvré pendant plus de 30 ans pour la sauvegarde, la restauration et la gestion de tous les sites culturels et historiques du Royaume du Cambodge inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il a fait part de l'engagement du nouveau gouvernement royal sous les mérites de la direction de son d'assurer la continuité des programmes engagés. Sa Majesté le Roi a exprimé sa gratitude au co français et japonais ainsi qu'à tous les pays membres du CIC encore, particulièrement la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine, la République de Corée, la République de l'Inde, la République italienne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UNESCO, qui ont donné l'exemple magnifique de la conduite d'une coopération multilatérale saluée par son efficacité. Il a salué le renouvellement du mandat du Comité international de coordination sous sa forme actuelle pour dix nouvelles années. Il a par ailleurs remercié les précédents dirigeants de l'UNESCO. Ainsi que son actuelle directrice générale pour le leadership et pour l'amour pour le Cambodge. Il a également partagé sa satisfaction suite à la récente inscription du site de Corké sur la liste du patrimoine mondial. Sa Majesté le Roi a salué la décision de ce premier ministre qui a exprimé sa ferme volonté de donner à l'éducation et à la formation professionnelle la priorité à l'action du gouvernement royal. Elle a appelé l'UNESCO à contribuer à la création de nouveaux programmes de formation. Le gouvernement allemand s'engage à renforcer davantage la coopération avec le Cambodge, notamment dans le domaine du développement rural. C'est ce qu'a annoncé son excellence Stéphane Messerer, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès du royaume du Cambodge, lors d'un entretien avec son excellence Hyatt-Tissin, ministre du développement rural. Au ministère du Développement rural, son excellence Chaïra Tissar, ministre du Développement rural, a accordé une rencontre à son excellence Stéphane Bissera, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès du royaume du Cambodge, pour lui rendre une visite de la courtoisie et discuter du travail. A à cette occasion, sẵn sàng sửa lance le la ministre à informer de la stratégie du Pentagon du gouvernement royal du septième mandat, sous la direction très avisée de Smed Mohamed Bobotapoday Hunmanite, premier ministre du royaume du Cambodge, visant à sởiérer le développement via la vision du Cambodge, via le pays à khô bunu intermédiaque d'ici à 2030 et pays à khô bunu élevé d'ici 2050. La première phase de la stratégie du Pentagon qui s'articule autour de cinq devises, La croissance de l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité sur la base de cinq priorités clés, les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique. Il a continué afin de contribuer à la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal. Le ministère du Développement rural a mis en œuvre sa vision à travers les quatre programmes prioritaires suivants.

à travers la formation professionnelle de base pour créer des emplois et des professions afin d'augmenter les revenus familiaux. Et 4. Renforcer les services de soutien administratif et des affaires générales pour renforcer les institutions et la gouvernance au niveau national et infranational afin de pouvoir servir les populations rurales avec l'intégrité et haute responsabilité. Son excellence Stéphane Messere a pour sa part salué la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du Cambodge et s'est engagé à renforcer davantage la coopération avec le ministère du développement rural, en particulier dans le domaine des infrastructures rurales. La radio et la télévision centrale de Chine, l'ambassade de Chine au Cambodge, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Beaux-Arts, l'administration provinciale de Siem Reap ont officiellement mong long se le ven mong set jem tuk ne exceptional de mobile cambodgien na a lotale sokha angkor a siem reap L'événement visait à renforcer et à échanger la culture entre la Chine et le Cambodge afin que les Cambodgiens puissent en apprendre davantage sur la culture, les traditions, l'histoire et la situation actuelle de la Chine, ainsi qu'à célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et la Chine. Son excellent Hu jin directeur général adjoint de la radio et télévision centrale de Chine, a déclaré que la septième tournée de films mobile de Cambodge-Chine enrichit non seulement la vie de la population locale, mais aussi l'histoire de la culture humaine et le développement moderne entre la Chine et le Cambodge est désormais devenu une marque importante pour les échanges culturels humains. Elle promeut positivement les échanges culturels et l'interconnexion entre les deux pays. Il a ajouté qu'en octobre, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre du Royaume du Cambodge, participant au troisième sommet La Sancture et la Route pour la coopération internationale, ont publié une déclaration commune 2024, une année des échanges entre le peuple et le peuple et entre la Chine et le Cambodge.

Voyez noter que l'événement de 7 tournée exceptionnelle de films mobile Cambodge-Chine est organisé tous les ans par la radio et télévision centrale de Chine en coopération avec l'ambassade de Chine au Cambodge et le ministère de la culture et des beaux-arts du Cambodge. Depuis 2016, la projection s'est déroulée dans chaque village, district, province du Cambodge. Et a projeté les films plus de 100 fois pour que les plus de 100 000 Cambodgiens puissent les regarder gratuitement. Le but de cet événement est de promouvoir la coopération et les échanges culturels entre la Chine et le Cambodge en donnant aux Cambodgiens l'opportunité de regarder des films chinois exceptionnels. Et enfin, l'administration du district de Khartoum, province de Kandal, a organisé un atelier sur l'intégration du programme d'investissement continu sur trois ans pour répondre aux besoins locaux. S'exprimant lors de l'atelier d'intégration du programme d'investissement continu de l'administration du district de Cotton, M. Nobdara, vice-gouverneur de la province de Condal, a exhorté tous les départements et unités de la province à revoir les mécanismes de planification et de mise en œuvre du projet et à vérifier le source du budget de l'unité pour soutenir son projet qui est la besoin et la demande des habitants et également à vérifier les caractéristiques techniques de chaque projet en outre il a ajouté qu'à la fin de l'atelier les représentants des ong et les philanthropes ayant signé un contrat de soutien doivent prêter attention à ce contrat et s'efforcer de l'appliquer efficacement monsieur chai van gouverneur du district de quatron a indiqué que les plans d'action prioritaires proposés par les six administrations communales pour l'année 2024 totalisaient 221 projets dont 38 projets agricoles, 26 projets commerciaux, 15 projets d'éducation, 69 projets de santé, 11 projets de vulnérabilité, 28 projets environnementaux, 44 projets administratifs et sécuritaires. Monsieur Minchun, directeur du département provincial de planification de Gandal, a déclaré qu'à la suite de cet atelier, les projets de communes ont reçu un total de 140 projets. Tandis que les projets de district ont reçu trois projets. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.